Et j'ai grandi dans un collège religieux, en privé, où j'ai appris la religion catholique. À Carpentras exactement, dans le sud. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu abandonné seul et que je n'avais pas trouvé vraiment de compagnon pour m'accompagner tout le reste de ma vie. Et pendant les confinements, le Covid, etc., j'étais vraiment seul. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam et à trouver un partenaire, quelque chose qui vraiment m'accompagne dans la vie de tous les jours. Et c'est en discutant avec des musulmans que je me suis rendu compte que l'islam était la religion de toutes les personnes sur Terre, déjà, et puis surtout l'évolution de toutes les autres religions que je connaissais déjà auparavant. Et j'ignorais ça avant. Mais... Je pourrais répondre, donc vous avez préféré de vous surnommer, de prendre un nom qui s'appelle Zacharie. Donc, c'est le frère Zacharie. Même nous, dans la religion musulmane, de rester avec votre nom auparavant, c'est juste. Mon petit Julien, en islam maintenant, vous appelez Zacharia. Zacharia, ma première question, concernant votre comparaison entre la religion chrétienne et la religion. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكملة للإشارات الإدارية، نرحب بالأخ زكريا في مسجدنا في هذه الولاية العامرة من أجل النطق بالشهادتين ودخول الإسلام بصفة علنية رسمية. فالأخ زكريا، le frère Julien, il est de nationalité française, suche. Auparavant, il est chrétien catholique. بعد أن تعمق في معاني الإسلام وخالط المسلمين، تأثر بوحدانية الله عز وجل، فدخل الإسلام طواعية، وهو يحسن الآن قراءة القرآن الكريم، ويحسن العلم بمبادئ الدين الإسلامي، فهو اليوم أمامنا في هذا المسجد الأنور الأزهر لينطق بالشهادتين ونبارك له في دخوله الإسلام. دونك فرير زكريا، السلام عليكم. السلام عليكم. Vous êtes le bienvenu chez nous. Premièrement, ici en Algérie, la terre des martyrs. Donc, ma première question, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre biographie? Dites que vous êtes petit, par exemple, votre collège, comment vous appelez, vos parents, leur religion, suche, etc. Alors, je suis né catholique dans le sud de la France. Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
تحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ou qui est la chose qui vous a marqué? C'est l'unicité de Dieu. On ne peut pas associer différentes unités à Allah. Wahid Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le frère Zakaria nous a dit que la chose qui m'a marqué, c'est l'unicité d'Allah. توحيد الله بأن الله واحد فأسكريا تأثر بوحدانية الله عز وجل. La paix entre les hommes aussi c'est quelque chose que toutes les religions ne prennent pas de la même façon puisqu'elles vont avoir une différence dans les peuples selon les interprétations de chacun. Là où l'islam est une parole unique qui est toujours la même depuis la création de la religion. قال لنا بأن الإسلام لا يتبدل ولا يتغير منذ أن أنزل الله عز وجل القرآن.
Le frère Zakaria pouvez-vous nous citer les cinq piliers de l'islam? La shahada. Donc la shahada c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu et que Mohammed, c'est son prophète, c'est son messager. Deuxième pilier. Donc, on a cette prière rituelle par jour. Troisième pilier. Le Ramadan. Le Ramadan, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Quatrième point ici. Zakat. On l'appelle le monde secret. Cinquième pilier. Enfin, le Hajj. On ne peut pas effectuer la rame, tout ce qui est manger, le porc, boire de l'alcool, tout ce qui a été défendu par l'Islam. Mashallah. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur d'autres gens, votre souhait sur d'autres gens que vous allez. La façon de comporter, les relations avec eux et. Safir al-Islam fi baladi. كي يتأثر الغير وكي يؤثر على الغير وكي أستطيع أن أحصل الحسنات عن طريق دخول الناس في دين الله عز وجل بوفائي بإخلاصي بأخلاقي العالية له. Maintenant, le dernier chapitre de frère Zakaria, puisque vous êtes musulman, vous avez déjà étudié le Coran, est-ce que vous pouvez nous réciter quelques versets dans le verset Al-Islam? Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas. Kulwa al-Mahad al-Ikhlasamad. L'amirim wa l'amilad wa l'amirim wa l'amirim wa l'amirim wa l'amirim wa l'amirim wa l'amirim. Le deuxième verset, la deuxième sourate. Al-Kafar. Inna ta'inaka al-Kafar, fasalik la mika wa ma, inna shalik al-Kafar. Masha'Allah, Allah wa ta'ala. Par exemple, votre collège, comment vous appelez, vos parents, leur religion,
j'en suis cher, etc. Alors je suis né catholique.